Salut à tous! Coucou! Alors, vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisque en fait ça va être un peu un remake de la précédente vidéo. On va juste vous faire le deuxième chemin. Et on va essayer de le faire en rang A, tant qu'à faire. T'appuies sur Start, s'il te plaît, au lieu de te regarder le poignet. Et voilà. Donc voilà, un peu spécial, parce que bon, c'est en. Bah, tout le début, vous l'aurez déjà vu en fait. Seul truc, c'est quoi là, on va changer de méthode de jeu. Alors, je vais voir si je peux pas personnaliser un peu quelque chose. Ouais, j'ai 6 points à personnaliser, alors. Donc, en fait, comme on s'était beaucoup concentré sur les headshots et compagnie, c'est vrai qu'on perdait beaucoup, beaucoup de temps. Et que le boss, en plus, il est assez long à tuer, donc ça nous fait perdre encore plus de temps. Alors, le problème, c'est qu'il nous le faut en rang A pour pouvoir débloquer le chapitre bonus. Alors d'après Super Vision 10, pour débloquer ce chapitre bonus là, il faut avoir terminé tous les chapitres de... donc en fait tout le jeu en fait, pour pouvoir débloquer celui-là, donc ça on verra, pour l'instant on n'y est pas encore. Pour l'instant, le grand challenge c'est de réussir à faire les choses correctement. Alors donc je vais prendre le fusil à pompe. Toi c'est bon, t'as la mitraillette, t'es opérationnel. J'aurais dû prendre une lance-roquette. Non, pas forcément. Parce que lance-roquette, c'est comme le Magnum, faut pas trop rater sa cible non plus si tu tires à côté. Voilà, c'est une cinématique, vous l'avez déjà vu. Et là, on va la jouer un peu plus pour rien. Et même comme ça, ils sont assez résistants quand même. Hein. En plus, je vais en viser correctement. Ça rate de le ramasser, ça c'est une traite. Ah, trop tard. And you are? I'm Carlos, Corporal Carlos Olivera. I've been using a gun since I was a kid, so you're safe as long as you stick with me. En fait, faut essayer de leur tirer dans la jambe parce que autant ouais, qu'ils se relèvent. Ouais, c'est les freins, ouais, c'est vrai, j'ai vu. Ouais. C'est vrai que je me suis mis à tirer pensé, aussi. J'y ai pensé hier soir avant de m'endormir. Ah, celui en noir là, faut lui tirer dessus, là, lui, là, il nous vomit la gueule. Bon, il y a un petit bug au niveau du son, les balles on les entendait plus tirer. C'est vrai que... Ah, ils sont chaud résistants hein, par rapport au premier stage. Premier stage, rien qu'un tir dans la tête rapide, c'est les tuer déjà quoi. Ah ouais, ouais, il y a un petit décalage. Le baril. Voilà. J'ai cru qu'il allait nous avoir, j'allais dire oh là non. Voilà, lui oui. Non, non. Tu vois. Mais on est bon. Voilà, une shot. Tu sais pourquoi il y a un décalage en fait? Parce que tu as laissé le... Non, non, je l'ai baissé le son des enceintes. Ah oui, non, c'était le son des enceintes qu'on entendait. Ouais. C'est plus le truc qui est calé par rapport au logiciel. Ouais, ouais, le verre média il est décalé, ouais. Pas mal, ouais. Je crois qu'il y avait un document à gauche là. Tu devrais savoir mieux que moi parce que tu l'as refait hier. Non non mais fin, je crois là que j'ai déverrouillé mais que je l'ai pas pris. Non ça va. Il y a rien. Là par contre dans les plots là je crois qu'il y en a. Non, moi j'en ai tiré un, y en a pas. C'est meilleur, le problème c'est que le temps de réussir à les avoir les plots. Toi, je ramasse.
Ouais, là, tu vois, on n'a pas le temps de leur tirer dessus. Là. Et là, c'est pareil, il y a des clous, mais je suis pas sûr que. Bon, c'est pareil, le temps d'aller choper les documents, ça nous fait perdre du temps sur les zombies. Quand t'es venu m'aider, il a failli taper, hein. Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. On n'est pas passé bien loin, ouais. Heureusement que t'es venu, parce que sinon, on est dans la merde, hein. Eh, connasse. Ah, lui, il ne voulait pas le headshot, c'est toi qui lui a mis, hein. Something's over there. Putain, mais se faire choper par du corbeau, sérieux. T'inquiète pas, là on descend. Là c'est normal. Là c'est pareil, il y avait des plots à gauche, mais je suis pas sûr que ce soit les bons. Au pire, ça te merde, je le referai tout seul, je jetterai un peu des grenades partout. Là, t'embête pas, là les corbeaux ils viendront pas attaquer. Ça va venir par la droite. Tu me l'as dit hier. Allez, je vais. Ah, je vais dire, je vais faire un tir critique, déconne pas. Toi ou moi qui l'ai eu? C'est moi, c'est moi. Qui l'a eu? Non, qui l'a eu, c'est ça. J'ai un petit présent. Sinon, moi, je vois, j'ai enlevé aussi un détail d'option qui était plutôt. Enfin, pour la visée, qui est plutôt bon. C'est que ça. J'ai enlevé l'aide à la visée en fait. Que ça amène pas le curseur directement sur le zombie, c'est pour les headshots, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'on peut vraiment viser là où on veut. Là il y a deux araignées. Ah, bien joué là, on a... j'y ai pensé mais c'était trop tard donc non, là c'était super bien calé, surtout qu'il y en avait une de plus que moi, donc c'est nickel. Ah, je crois qu'ici il y avait un truc, je suis pas sûr, je sais plus. Bon, maintenant faut croiser les doigts pour pas qu'on meure. Ouais, là on a le spray là et on est en meilleure santé que d'habitude. Donc après... Ouais, mais... Ah oui, non, c'est vrai. Je croyais qu'on était au truc, là, avec le camion qui arrive. Non, non, on n'y est pas encore où, là. Non, non, y'a rien là, dans la lumière, t'emmerde pas. On est au meilleur en santé parce qu'on fait pas de la headshot. Ouais, ouais, on se fait pas chier avec les headshots. Celui-là, c'est pareil, c'est pas obligé de les tuer. Ça, c'est pour moi. Eh ouais, tu l'as pris, toi. Là, je t'ai dit, c'est pour moi, mais tu le prends quand même. Voilà. Ça que du coup là, en fait les headshots quand on sait les faire, c'est vrai qu'on gagne du temps quand même, parce que finalement les zombies, eh ben, ils meurent de suite, hein. Mais comme on n'est pas super fort, je l'ai lancé. Oh, ouais, mais... je me suis dit non, je vais le garder. Ma faute, j'ai essayé de ramasser l'herbe verte. Mais ramasse. Là à droite, là, tu récupères la mitraillette. Ah non, c'est fusil à pompe, tiens. Ah ben merde, putain, d'habitude c'est une mitraillette. En plus, quand t'as dit fusil à pompe, je l'avais déjà récupéré. Garde les grenades quand même, hein. Ouais, ouais, t'inquiète pas, c'est parce que si j'en jette, c'est parce que je sais qu'on va récupérer. Alors si tu le dis. Là, il y a un fusil à pompe. Eh non, là, il y est pas. Si! Ah, tu vois? Si, je l'ai. Tu le fais danser ou quoi? Eh oui! Allez, le baril. Ça va bien. Ah, là. Ça, c'est du travail d'équipe là. T'en as qu'un, il le met à genoux, l'autre il le tchad. Allez, mais crève! Mais non, il est toujours là! Je le voyais pas! Bah non, moi non plus, mais bon, je vois que le curseur est resté blanc, donc c'est qu'il est vivant. Là, c'est lui qui nous tue d'habitude. Là, tu vois, on a encore envie. Ah bah tiens, un fusil à pompe. Alors là, il y avait un document que j'ai récupéré hier, donc on n'aura pas. Enfin, vous le verrez pas. J'ai n'importe où, je confondais encore mon curseur avec le tien. Donc oui, le coup des poutres, je le connais déjà, donc il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas, c'est pas que je l'ai raté. Dans cette caisse là, il y avait un truc.
Voilà, hop. Tu voulais faire Michael Jackson? Bon, allez, on va croiser les doigts. Voilà, faut réussir à le faire de suite, là. Hein. Bon, 8 minutes 27, je pense qu'on a, on est allé ça assez vite, quand même. Enfin, j'espère. Si on meurt et que ça va retarder... Voilà, le truc, c'est que si on meurt... Bah, au pire, après, là, c'est sauvegardé maintenant, donc... au pire, on aura juste à recharger. Après la magie du cinéma, personne n'y verra rien, mais... Alors, on va par là. Et maintenant, à nous de faire attention. Enfin, surtout à moi, parce qu'en général, c'est plutôt moi qui force sur celui-là, c'est impressionnant, quoi. Vu qu'il va super vite... Et voilà, c'est moi qui me suis trompé. Parce que j'ai vu le tien en premier, après j'ai vu le mien, et c'était trop tard, j'avais déjà appuyé sur le. Je suis pas sûr qu'on perde du temps là. Parce que comme ça nous fait reprendre du checkpoint. Je suis pas sûr qu'on perde du temps, on verra. Au pire, même si on le fait pas en A, bah, ça vous fera voir le second chemin. Et au pire, bah, tu recommenceras tout seul tout à l'heure. Et je le ferai en A, ouais, voilà. J'ai adoré. Ouais, tu m'aideras parce que tout seul en A, c'est. Enfin, au niveau du temps, c'est. J'ai trop galéré hier. Et voilà. Ouais, c'est bon. Ça peut te servir du spray là. Surtout qu'elle est bidon la cinématique en plus. Enfin, je veux dire, comment ils se sauvent les mecs, c'est bidon. Jill, elle est déjà derrière la voiture et Carlos, il se décale juste un peu quoi. C'est même pas réaliste. Bon, je demande pas ce que ça soit non plus hyper réaliste, parce que bon, ça reste du Resident Evil, mais... Ouais, bon, un peu, quoi, quand même. Enfin, je veux dire que ça servait à quelque chose, qu'on les voit en train de bondir de « Ah, oh, waouh, on s'est sauvé la vie à part en chose !» Ben non. C'est mort. Bon, la prochaine mort, si on meurt, on va faire la magie du cinéma et... Ouais. Et on reprendra... Peut-être qu'au bout de la 20e fois, on y arrivera. Oui, on devrait. Avec un peu de persévérance, on arrivera toujours à tout. Hein. Two ways to go. Surtout qu'après, c'est pas bien compliqué, hein, franchement. Hein. C'est pas plus compliqué que l'autre chemin, après. Hein. Bon, autant l'autre chemin, c'est le camion, autant là, ce chemin-là, c'est la mine. Mais le problème, c'est que le camion, on a plus le temps de réagir que la mine. La mine, c'est l'instantané, quoi. Voilà. Voilà. Ça, c'est Jill, il est déjà derrière la voiture et lui il se décolle juste un peu. Impeccable. Ça c'est parce que la console elle a eu peur que j'ai dit qu'on allait faire la magie du cinéma. Donc elle s'est dit non c'est bon je vous laisse poursuivre. Bon là par contre je connais pas donc. Ah ouais non mais putain tu tires sur les mines et ça se fait tout seul. Ouais, pas le plus près plutôt. J'ai mis un tas d'explosions, ça me fait trembler l'écran et tout. Les autres qui sont à 2 mètres de la mine et ils meurent pas. Nous par contre, on se rate sur la T2, bah c'est non, nous on meurt. Ah, dégage le chien. Donc faut tirer sur les mines. Ouais, ben, faire pas trop de temps sur les mines non plus. Parce que regarde, tout à l'heure ils étaient assez proches, ils sont même pas devant. Putain, mais mon truc il part sur les zombies, moi. Oui, je sais, t'as toujours l'assistance à la visée, toi. Moi non. Ça me dérange. On te la lèvera. Ouais, je peux pas faire ce que je veux. Allez! Ouais, petit headshot, ça va bien. Pour moi. Viens avec le chien. Là, si s'ils sont pas super pris, ça sert... Ah putain, si tu nous craches du truc à la gueule, toi, on va pas en repérer quoi. Voilà. Putain, j'arrive plus, hein. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile sans l'aide à la visée, hein. C'est impressionnant. Bon, on va mourir le bras, hein, parce que... J'ai cru. Bon, ça va, question V, ça va quand même. Ouais, ça sort beaucoup mieux que... Ah, oh, sans une balle de recharge, bon, ça devrait le faire. Sympa ce zombie, je vais rester avec le pistolet. Hein. On les mitraille assez comme ça, je pense. Ça devrait pouvoir le faire. Contre, question... Question herbe? Non, document... Ouais, on rate tout, en fait. Je pense qu'on est en train de tout rater, bah c'est pas grave. Ça, c'est ce qu'on le fasse dans le temps. Voilà. Au moins, ça c'est pour nous.
Ça va, oui, toutes les balles que tu t'es pris, tu meurs pas. On dirait un mec dans le coureur. Putain. Putain, j'avais anticipé son saut, mais... tiré dans le vide. Bon, voilà, donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, hein, on retourne sur le chemin de base, hein. T'as vu, j'ai des bons réflexes. Ouais, bah ouais, bah, depuis le temps. Il y a une série que t'es de bons réflexes, je veux dire, après, si on s'engueule, c'est à cause de ça. Voilà, oui, tu ne boufferas plus personne, toi. Hein. Voilà, putain. C'est toi qui les a tous tués, hein, c'est pas moi. Et ouais. T'as jeté une grenade? Non. Justement, je voulais jeter une grenade. Ah, c'est pour, ah, c'est pour moi. Ah non, c'était pour toi, dommage, c'était là, c'était bien la mitraillette. Bah, c'est pas grave, elle me servira quand le verre de terre il est devant. Putain, mais c'est impressionnant comme il a cavalé vite, yo! C'est calme les gars! Ouais, on peut dire quand même les headshots. Pourquoi t'as jeté une grenade pour rien? Pour deux zombies? Ah! Ah. Au moins ça, ça va, je te pardonne. Même charitable, t'excuses. Mais ouais, pour deux zombies, c'était un peu ledge quand même. Bon, en même temps, pour ce que ça va nous servir contre le ver de terre, les grenades, dès qu'on y est bientôt. J'adore me prendre du corbeau en fait. C'est vraiment bidon à esquiver, parce qu'on peut se dire que de se prendre du corbeau, c'est moche. Moi. Ouais, mais ça, de toute manière, vu qu'on va même pas se retourner, ça, c'est les corbeaux qui servent à rien. C'est pour toi. C'est normal que. Il m'a fallu 3 coups de fusil à pompe pour l'arrêter. Hein. Là en bas, après, il y a une herbe qu'on va récupérer. Ah, c'est pour moi. Ah ouais, bah ouais, bah, j'ai juste attrapé aperçu, donc j'ai pris en me disant c'est tant jamais de savoir ce que c'est. Ah, mais tout à l'heure je suis à la mitraillette en fait. Je croyais être au pistolet. Non, non. Ah, c'est pour ça que ça va vite. Tu prends des dégâts de pigeon, j'ai envie de dire. Ouais, là ça sert à rien de trop leur tirer dessus, de toute manière on va se retourner. Mais là les grenades ça va à quelque chose après. Voilà, ils vont se mettre là. Allez, une grenade par-ci. Ah, on a tiré en même temps, on a du même côté. Voilà. Pour moi. Là, c'est tout pour moi en fait. C'est la réserve que j'ai récupérée, mais à savoir si elle va être comptée parce que c'était pris en chargement. Donc là, c'est une cinématique, pareil, on va vous la. Are you with Umbrella? Vous la passez. Parce que hier j'ai tellement galéré contre le verre qu'il a eu le temps de m'envoyer les voitures et tout, qu'il était juste à la moitié de sa vie en fait. Alors que nous quand il nous a envoyé les voitures, il était quasiment mort en fait. C'est plus facile à deux. Ah oui, bah, comme je te disais, il se prend quand même deux fois plus de dégâts à deux, hein, donc évidemment. Non, l'herbe apparemment elle a pas été comptée. Non. Ou pas en entier du moins, parce qu'on était dans le jaune, mais là on... Attention, arrêtez eux. Donc voilà, on continue, ouais. Donc là, on a eu un petit problème de perte de connexion de. Ah, je vais réussir à te ramasser, toi. De TeamSpeak, parce que je vous rappelle que nous on a envie de sortir sur TeamSpeak. Et donc voilà, de mettre le jeu sur pause, de renvoyer le TS pour tout le monde. Hop, bon, ici, quoi que, ouais, on aurait pu la récupérer, ouais. Ouais, ce qui est chiant, c'est que voilà, il a des moments qui voilà, qui seraient peut-être un peu vulnérables comme ça, et puis finalement on a été coupé. C'est chiant. Ouais. Il est vraiment pénible ce boss. Allez. Ah, j'ai plus de balles de mitraille, d'accord. Donc on va y aller au fusil à pompe. C'est normal, mais si t'as fait la partie. La moitié de la partie en. Non, j'ai pas fait la partie en trade, j'ai juste fait la fin de la partie en trade. Juste quand on était au corbeau, j'ai fait la trade.
Mais tu t'en fous, tu tires dans le tas. Non, tu vas le toucher. Non, j'appuie pour tirer, ça tirait pas. Mais c'est normal, t'es en train de recharger. Faire un peu attention au balle que t'as. Là, tu recharges pas. Et là, tu tires dans la gueule. Tiens, il faut esquiver. Voilà. C'est là où je vais me faire plaisir. Ouais, il a même pas le temps de nous envoyer voiture. Et en plus, Théo, on aurait dû se prendre un coup parce que il appuyait sur R1, j'appuie sur R1. Mais moi, j'ai appuyé sur les deux en même temps, moi. Et ça a marché. Et ben, ça a marché aussi. Moi, j'ai appuyé sur les deux en même temps. C'est vrai que là, sur ça... Mais bon, je pense qu'on s'aurait pris beaucoup de dégâts. Je suis pas sûr qu'ils nous auraient tués sur le coup. Eh, putain, on fait encore un B, quoi. Pourtant, fichier, on est en A. Et c'est au niveau des objets à détruire, peut-être. Les ennemis tués. Ah, peut-être qu'à toi et plus moi, ça va faire A, j'espère. Parce que là, ce serait dommage, quoi. On va voir ça tout de suite. Parce que là on a tracé, on a bien fait là au niveau du temps, on est en S et tout, hein. Document on est en A donc il nous en manque pas beaucoup. Croisons les doigts. Eh non, il nous l'a semblé. Bon, bah, donc nous on refera ça hors enregistrement. Donc vous avez vu le deuxième chemin. Alors au niveau des archives, on va voir ce qu'on a débloqué. Donc vous avez vu, je vous ai même enlevé tous les nouveaux qui servaient à rien quand ils avaient déjà lu. Donc le profil de Carlos, je crois qu'on l'avait déjà lu lui, en plus. Enlève ton curseur du milieu, s'il te plaît. Oui, on l'a déjà lu parce que je l'ai lu hier en plus. Lui par contre, on l'a pas lu, c'est un qu'on a récupéré. Quand j'ai jeté ma grenade qui me servait à rien. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Tout ce qu'on a pour l'instant. Donc ce sera, on attaquera après la destruction de Raccoon 2 cette fois-ci pour de bon. Le 1 vous n'en entendrez plus parler, enfin du moins vous ne le verrez plus, vous en entendrez parler donc dans la deuxième vidéo. Sinon petit clin d'œil à tous nos fans entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot fan, c'est comme si on était des grandes stars, mais à tous ceux qui nous suivent encore une fois merci. Il y a d'ailleurs un qui nous a dit qu'on méritait beaucoup plus d'abonnés à notre chaîne, probablement. C'est très gentil de ta part de nous dire ça. Comme je t'ai répondu, je préfère avoir pas forcément beaucoup d'abonnés, mais des gens qui nous suivent réellement et qui s'intéressent à nos vidéos et d'autant plus à nous les commenter. Donc c'est pas grave que vous soyez pas nombreux. Nous, on prend du plaisir à vous tourner les trucs. On prend du plaisir à les tourner tout court. Donc en plus, ça voulait tourner pour vous. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Donc continuez à nous suivre, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui sont sur Dailymotion, n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur Facebook. Alors Dailymotion aussi a un peu plus de mal à uploader les vidéos que YouTube. Donc ce qui explique parfois le décalage. Donc ceux qui sont sur Dailymotion, n'hésitez pas à aller sur... même si vous abonnez pas, enfin vous marquez pas j'aime non plus sur ma page. Mais histoire d'aller voir de temps en temps que tant la vidéo est déjà sortie sur YouTube mais pas encore sur Daily. Là justement le chapitre, la première version n'est toujours pas sortie sur Dailymotion à l'heure actuelle là où on est en train de tourner cette vidéo. Alors que sur YouTube elle est sortie depuis 21h je crois hier. Alors que là il est 13h20. Et en fait voilà le site ne fait que planter, ça met 80% de téléchargement. Il plante, ça met 100% de téléchargement, en fait la vidéo l'a pas du tout uploadé. Donc je vous invite à, si vous voulez à suivre les vidéos à la vitesse à laquelle elles arrivent, soit d'aller sur YouTube, soit de venir voir sur Facebook pour vous tenir un peu plus au courant. Voilà, c'était le petit aparté. Donc on vous dit peut-être à demain, enfin... Pas sûr demain, eh. On verra, parce que demain on a des choses à faire. Donc on vous dit en tout cas... À très à la vite prochaine. Pour la nouvelle, enfin pour l'autre chapitre, et donc à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, à plus.